Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment bien fixer sa perruque. Alors, tout d'abord, comment se présente une perruque? Donc, bien sûr, vous avez les cheveux, ou les bras selon la qualité, mais bon voilà. Et en fait, à l'intérieur, il y a un filet. Et donc, dans le filet, enfin je pense que c'est comme ça pour les autres perruques, en tout cas c'est comme ça sur la mienne, il y a deux élastiques qui permettent de bien maintenir la perruque en place. Donc en fait on peut déjà porter la perruque juste en attachant ces deux élastiques sans forcément fixer la perruque, plus que ça. Mais je vous le recommande pas forcément si vous mettez aussi votre perruque en présence de gens comme les personnes très civilisées de mon lycée qui s'amusent à l'arracher. Je vous conseille quand même de mettre des épingles à cheveux. Voilà. Je vais vous montrer comment bien la fixer. Tout d'abord, il faut mettre ses cheveux en place derrière. Donc je vous conseille de faire en sorte qu'il ne soit pas trop propre pour le jour où vous devez la porter. Est-ce que, comme vous savez peut-être, les cheveux propres, ça glisse. Donc c'est pas pratique pour faire des coiffures ou en l'occurrence là bien maintenir ses cheveux. Il faut qu'ils soient le plus plat possible en fait. Donc moi je fais une tête basse, hop, toute simple. Voilà. Que je sépare en trois. Un et deux. Si possible un peu égal. Derrière, voilà, je prends des pinces plates comme celle-là, petit cœur serré. Je prends la première mèche que je viens plaquer sur mon crâne. Voilà, je vous préviens, la coiffure qui en résulte est vraiment pas très sexy. Ça tient et c'est ça qui compte, c'est ça qu'on cherche. Je prends la deuxième, je fais la même chose. Là, et la dernière mèche. Hop là. Voilà. Magnifique. Donc, je vais vous montrer un peu derrière. Voilà. Il faut que ce soit le plus plat possible, donc, parce que sinon, ça risque de faire des bosses et ça se verra pas mal. Ensuite, vous prenez votre perruque, vous la mettez dans le sens. Si c'est pas déjà fait, je vous conseille de la brosser parce que une perruque ça fait très vite des nœuds. Donc voilà, moi j'attache les élastiques avant de la mettre en fait, ça va être plus pratique. Après, faites à votre convenance. Hein. Donc, j'attache les deux élastiques ensemble. Voilà. Et je mets la perruque. Alors, vous voyez, il y a forcément des petits cheveux qui sortent au début. Hop là. Il faut essayer de rentrer tous les cheveux bien comme il faut, puisque vous vous en rendrez pas forcément compte, mais par exemple, tout le monde sur le côté là, ça peut faire deux mèches qui se séparent et oups, on voit vos cheveux en dessous qui sont bien châtains et bien pas blancs. Voilà, c'est pas de la couleur de votre perruque, quoi. Donc, vous prenez votre cheveux, vous rebrossez votre perruque puisque cette opération aura bien sûr refait des nœuds. Puisqu'une perruque fait tout le temps des nœuds. Donc je vous conseille sur les conventions où vous allez, ou même si vous la portez vos perruques comme moi pour aller au lycée de temps en temps, prenez une brosse à cheveux sur vous parce que c'est vraiment un sac de nœuds très rapidement. Voilà. Donc on en vient à la phase de fixation. Bon, là elle tient déjà pas mal, hein. Franchement, vous pouvez la garder comme ça.
mais je pense que des accidents, c'est vite arrivé. Donc je vous conseille de rajouter des pinces. Vous pouvez prendre des pinces qui sont assez grosses, comme celle-là, enfin grosses, disons pas des pinces invisibles, pour ce qui est de la bas derrière. Vous voyez ici, d'ailleurs là on voit encore mes cheveux, je l'ai pas bien mise, c'est-à-dire que je vois pas trop ce que je fais puisque la miniature de ma caméra est comme ça. Donc, vous venez avec vos pinces pas vraiment invisibles, repincer le filet à cheveux en fait, avec vos propres cheveux en dessous. Je sais pas si je suis très claire, mais là, si vous n'avez pas assoulevé vos cheveux pendant votre présentation, je vous conseille de rajouter des pinces pour que ça tienne mieux. Voilà. Ensuite, les fameuses pinces plus discrètes, disons, qui font pas de bosse. Les voici. Mettez-vous qui n'est pas mon endroit. Je vois pas grand chose avec cette caméra. Je désespère. Ah, j'espère que je retrouverai bientôt mon appareil photo. Alors. Pour les pinces crocodiles. Même si vous ne les voyez pas forcément, les autres pourront sûrement les voir. Donc. Je vous conseille en fait de prendre une mèche de cheveux qui est extérieure, c'est-à-dire qu'on voit de loin, parce que regardez, vous soulevez, en dessous il y a d'autres mèches de cheveux, même si elles sont en dessous. Et donc, vous venez fixer celles-là, puisqu'elles sont en dessous, ça ne se verra pas qu'il y a une pince dessus, et hop, vous mettez dans vos cheveux. Là, vous faites ça à peu près autour de toute votre tête. On peut pas sauter. Bon, pour la vidéo, j'en mets que deux, mais n'hésitez pas à en mettre le plus possible pour que ça tienne le mieux possible. Et je crois qu'avec cette caméra où je ne vois rien du tout, ce sera impossible de mettre cette perruque comme il faut. Enfin bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. On se retrouve très bientôt, j'ai avancé la jupe de mon cosplay. D'ailleurs c'est la perruque que je porterai pour nous aller à Parmi-Neige. Que vous dire d'autre? J'espère que je serai pas en retard, j'ai coupé ma musique et c'est un peu de la merde parce que j'ai voulu prendre World de Katy Perry. Et du coup, j'ai dû la couper pour que ça fasse qu'une minute trente et... Comment dire, je suis pas ingénieuse du son, donc bon voilà. Allez, à la prochaine.